Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais ouais, je suis encore tout seul, hein. Il ronfle encore le tonton Abdel, là, hein, le crâne d'œuf, il ronfle encore. Hein. Et ouais, c'est normal, il est 13h11, il a dû live très très tard hier, je pense, je sais pas, moi je suis parti au lit avant lui, je suis parti au lit à 2h du matin. Comme vous savez, j'ai la petite, je dois me réveiller très tôt au moins le matin, donc voilà, c'est pour ça qu'il dort encore, j'irai le réveiller après. Donc voilà l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer ma réplique, ma dernière réplique que voilà, j'ai eue pour Noël comme cadeau, que c'est d'ailleurs tonton Abdel qui me l'a offert, car il m'a offert une très très belle réplique que je voulais depuis un certain moment. Dès que je l'avais vue, je l'ai trouvée vraiment 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 magnifique, car vous allez voir, c'est la... Regardez, je vais vous montrer. Donc voilà, regardez, elle est pas magnifique. Donc ça c'est en bois, tout est en bois là, regardez, c'est la réplique d'Al Capone. Et vous vous rappelez, c'est la Thompson M1828 Chicago. Ah, une petite Thompson. Celle-là, à l'époque, elle avait fait des dégâts, quand même. Elle avait fait pas mal de morts, elle avait tué pas mal de personnes, quand même. Donc voilà. Donc en fait, pourquoi je l'aimais bien, celle-là? Parce qu'en fait, c'est comme la vraie, cette réplique. Là, c'est en fer, et ça, c'est du vrai bois. C'est pour ça qu'elle coûte assez cher. Elle coûte v'là cher. Après, c'est pas une réplique pour aller faire de l'airsoft avec, parce que... Pff, elle est lourde, vous n'aurez pas 3-4 heures avec ça, c'est sûr, ça c'est vraiment une réplique de décoration. Voilà, c'est vraiment une réplique de collection, je l'ai trouvée magnifique, regardez. Voilà, en décoration, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, mais après, avec le poids qu'elle fait, vous ne pourrez pas courir en airsoft, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment très lourd, donc là je vais l'essayer pour vous. Donc voilà, ça c'est le chargeur, on monte pour les billes, on met toutes les billes là-dedans, il y a des sacrées billes. Après, voilà, comment vous expliquer, quoi de plus? Elle a le coup en rafale. Là, je vais vous montrer. Donc voilà, là, il y a le rafale. Il est là. Mode rafale. Mode auto. Voilà. Après, là, c'est la sécurité. Donc, je vais aller la tester pour vous encore un petit peu dans son jardin. On va lui saccager encore un peu le jardin comme hier. On va lui faire des trous. Hein. Allez, on va tester ça, l'équipe. Donc voilà, là, normalement, elle est chargée. C'est pas au gaz. C'est avec, pareil, avec des batteries lithium. Donc, regardez. Donc là, je suis en automatique. Allez. On va essayer de viser l'arbre. Voilà, maintenant on va se mettre en simple. Hop. Vise l'arbre. On remonte un peu les billes. Allez. On prend la bille. Est-ce que vous croyez qu'on peut toucher un peu plus loin là-bas? Le barbecue. Et les billes. Et bon, après, elle reste moins puissante que la Scorpion. Comme je vous ai dit, la Scorpion, elle est vraiment puissante. Vous avez vu, elle a fait des trous hier, la Scorpion, dans le truc noir en bas, là. Là, là. Vous voyez, celle-là, elle fait pas de trous. Si, elle vient d'en faire un. Pardon. J'ai dû refaire un petit trou. Donc voilà, les gars, c'était pour vous montrer. Regardez. Elle va quand même pas mal loin. Hein. Et elle est quand même assez précise. Regardez, s'il y a quelqu'un là-bas, hop, il est caché derrière la maison. Vous avez vu, je le touche. Hein. Regardez. On le touche, hein. Regardez, on va essayer de toucher le ballon là-bas. Ah, je l'ai touché. Oui, tu l'as touché, ouais. Ah, je suis un bon tireur quand même, l'équipe. Hein. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer cette belle réplique d'Airsoft que Tonton m'a acheté. Tonton Abdel. Ah ouais, il me fait des très très beaux cadeaux. Vraiment des très 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 beaux cadeaux. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, je tenais vraiment à le remercier, tonton. Merci beaucoup pour ton joli cadeau. Bon, il est pas là, il le sait, je l'ai beaucoup remercié. Parce que voilà, cette réplique, elle coûte pas mal cher. Vous voulez que je vous dise le prix à peu près? Je crois qu'il est marqué sur la boîte, je vais vous dire. Elle coûte 500 euros, 499 euros quand même. Après voilà, là-dessus, on peut pas mettre de viseur. Regardez, il n'y a pas de viseur, le viseur, il est là. Voilà, il est là, mais vous avez vu, ça reste assez précis quand même. La poignée, c'est pareil, elle y est d'origine. Elle est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la réplique d'Al Capone, c'est pour ça que je la voulais, parce que j'aimais bien à l'époque cet homme. C'était un homme, voilà, il a fait pas mal de conneries et tout, mais voilà, après c'est son charisme que j'aimais bien. Allez, boum boum, hop hop hop, ça tire pas mal fort, hein. Vous avez vu l'équipe, hein. Donc voilà, c'était ma petite réplique, mon petit Thompson de 1928. Vous imaginez quand même... Elle date de longtemps celle-là, hein, 1928, bon, on était même pas nés nous encore, on savait même pas, on pensait même pas qu'on allait exister. Je crois mon père, il était même pas né je crois encore.
Ah non, il était même pas allé, mon père, sinon, un instant, mais hein, il serait vieux à cet âge-là. Hein. Donc voilà, l'équipe, c'était ma petite réplique que tonton m'a offert à Noël. Je souhaitais vraiment vous la montrer, comme je vous ai montré la Scorpion hier, que ma femme m'avait acheté. J'ai eu deux magnifiques répliques. L'autre, c'est vraiment pour l'airsoft, la Scorpion. Celle-là, c'est vraiment pour la décoration. Donc voilà, l'équipe, je compte sur vous pour me mettre un maximum de likes pour ça, un maximum de petits pouces bleus. Ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient hier sur le live. Merci sur mon premier live. Si vous ne l'avez pas vu encore, n'hésitez pas à aller le voir. Ça fait plaisir. Mettez-moi un petit pouce bleu aussi. Mais voilà, on est là pour parler de ma petite réplique. Voilà. Donc c'est celle-là. Je vous la remontre une dernière fois, les gars. Voilà. Regardez. Voilà. Elle est vraiment belle, celle-là. Vous avez vu, elle est précise. Hein, toucher le ballon. Elle tire sacrément loin. Bon, après, vous avez vu, elle est beaucoup moins puissante quand même que l'autre. Donc voilà l'équipe, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker pour plus de vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao !